échelle de température. La température d'un corps est une grandeur qui mesure l'agitation des molécules ou des atomes à l'échelle microscopique. Considérons une enceinte fermée dans laquelle on a introduit un thermomètre et un pressiomètre qui mesure la pression. En dessous, on peut contrôler la chaleur en ajoutant ou en enlevant de la chaleur. À l'aide d'un piston, faisons entrer quelques molécules dans l'enceinte. Celles-ci sont agitées. Les molécules sont à l'état gazeux. Si on augmente la chaleur dans l'enceinte, l'agitation des molécules augmente et la température, indiquée ici en Kelvin, augmente. La pression, quant à elle, augmente aussi. Si maintenant on enlève de la chaleur, la température dans l'enceinte diminue, la pression diminue, mais surtout l'agitation des molécules diminue. Les molécules sont de plus en plus lentes et lorsque l'on atteint 0 Kelvin, elles sont totalement immobiles. Anders Celsius est un physicien suédois qui a introduit une échelle centigrade de température basée sur les changements d'état de l'eau pure en 1742. Le degré Celsius est l'unité de l'échelle de température Celsius qui a été définie cette fois-ci en 1948 et qui est très proche de cette échelle centigrade. Cette échelle est d'usage courant dans le monde. Le 0 degré Celsius correspond à la température de fusion de l'eau. Le 100 degré Celsius correspond, lui, à la température d'ébullition de l'eau. Le pas de cette échelle est le centième de la différence entre ces deux valeurs. En dessous de 0 degré Celsius, l'eau est solide. Entre 0 degré Celsius et 100 degré Celsius, l'eau est liquide. Au-delà de 100 degré Celsius, l'eau est à l'état de gaz. L'échelle Kelvin a été inventée au XIXe siècle par le mathématicien et physicien britannique Sir William Kelvin. Le Kelvin est l'unité du système international de température. Il mesure la température absolue notée T, grandeur définie par la thermodynamique. La plus petite valeur de l'échelle Kelvin, le zéro absolu, correspond à l'arrêt total de mouvement au niveau microscopique. Reprenons l'échelle Celsius avec le 100 degrés Celsius et le 0 degré Celsius qui ont été définis par rapport au changement d'état de l'eau. L'échelle Kelvin, quant à elle, commence à 0 Kelvin qui se trouve bien en dessous de 0 degré Celsius. En effet, 0 Kelvin correspond à moins 273,15 degrés Celsius. 0 degré Celsius correspond à 273,15 Kelvin. 100 degrés Celsius correspond à 373,15 Kelvin. La température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. La variation d'un degré Celsius est en fait égale à la variation d'un Kelvin. Il n'existe pas de température plus basse que le 0 Kelvin.